Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Oh, comment allez-vous mes amis? Nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons faire une méditation. C'est Jean 2, verset 11, il est écrit ici, « Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. » Voyez, il n'est écrit nulle part que Jésus a terminé de faire ses signes, au contraire, bien sûr. Hein. Une fois ils sont arrivés près de lui, ils ont dit « Ah Seigneur, sauve-nous d'ici, parce que Hérode veut mettre alors la main sur vous et va en finir avec vous. » Il a dit « Allez dire à ce renard qu'aujourd'hui et demain, j'opère alors le miracle et le troisième jour, je cesserai. Aujourd'hui était le jour de son ministère, demain est notre jour, il n'a pas encore cessé. Quand il viendra pour sauver l'Église, là, oui, il va terminer. » Et lui, là, a débuté donc ses signes et a manifesté alors sa gloire. Oui, Dieu veut manifester sa gloire alors en vous, à travers vous et pour vous également. Hein. Croyez-y à présent et venez recevoir alors tout ce que Dieu a pour vous au nom de Jésus. Regardons maintenant cette personne qui était bénie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, ma sœur? Missionnaire, j'avais une bosse ici à la cuisse qui restait toute la journée faisant mal et quand arrivait la nuit, j'ai tiré ma chambre et j'ai passé dessus de l'arnica. C'était quelle taille? Elle était bien grosse ici à ma cuisse. À présent, j'ai passé ma main, je ne l'ai pas trouvée, missionnaire. Et la douleur a cessé? C'est fini, missionnaire, j'ai dit c'est à la maison. C'est pas magnifique ça, mes amis? J'ai dit que je venais chercher ma guérison aujourd'hui. J'habite à Louisiana. C'est magnifique. À présent, je veux prier avec vous. Je vais expulser tout le mal au loin. Père, je suis uni avec toutes ces personnes pour réprimander alors tout le mal, réprouver alors toute force du mal et dire à tous ces maux alors sortez. Allez-vous-en, n'opprimez plus. Au nom de Jésus-Christ, et vous dites maintenant Amen et que Dieu vous bénisse.